Bonjour à tous mes chers amis, on est très content de vous retrouver. Parce que comme vous pouvez le voir, je suis en charmante compagnie avec ma chère petite sœur diabolique. Et on va vous faire... Je passe la fille angélique, pardon. Bonjour. Ça va? On va vous faire une petite partie de Phasmophobia. Vous savez, on l'avait commencé, on vous avait fait une vidéo. Et puis, on va vous en faire une qui sera encore bien mieux, puisque cette fois-ci, on est carrément ensemble. On va être en duo. Je pense que ça va être très drôle. Autant vous dire que c'est moi qui vais aller à l'intérieur et que lui va rester dans le camion. Non, pas du tout. Si, j'ai que 70$. Ah bah, je vais pas pouvoir acheter bien grand-chose. Attends, mais je dois avoir quelque chose. J'attends que le mien se lance. Ok, alors ce que je vais faire, je vais créer la partie. Oui. Alors, créer une partie privée. Je t'en prie. Mais écoute, je crois qu'on a tout. Ça m'a l'air d'être bon, ouais. Ça m'a l'air d'être pas mal. Allez, contrat. L'asile. Alors, il y a l'asile, il y a l'école ou il y a Edgefield Street House. Bah, donc, ça va être ça. On va se faire en intermédiaire. En intermédiaire. Et on peut y aller. Ok. Ouais, wow, mais puis t'es débutant, donc c'est bon. Ouais, ça devrait aller. On va rentrer, on va faire. Non, ah, les bureaux vont repartir. Surtout que là on est que deux quoi. Alors. Je sais déjà plus comment. Ah oui, avec E. Alors le fantôme s'appelle Daniel Jackson. C'est frère de Michael, tu crois? Daniel Jackson. Daniel Jackson. C'est pas le nom du fantôme d'Alcatraz dans Charm? Non, Jackson World. Non, pff, ouais, non, rien à voir. Il répond à tout le monde et. Okay. Voilà. Donc nettoyer la zone avec bâton d'encens. Qu'il éteigne une bougie et qu'il marche dans du sel. Oh, ok. C'est fastoche, on va y aller. Hop. Fastoche. J'ai pris le thermo. On en reparlera. Je prends le K2, bah du coup je vais prendre le sel. J'ai pris un appareil photo. Ah, tu sais ce qu'on a oublié? Les caméras frontales. Ah, bah tant pis. C'est ça, tant pis, tant pis. Lampe de poche puissante, ça j'ai pas pris. Je sais pas non plus. Hop, et c'est parti. J'ai pas allumé ma lampe. Et c'est parti. Si j'allumais le K2, ce sera peut-être mieux. Ouais, ce sera un peu mieux. Elle est où la lumière ici? Ah, elle est là. Désolé, c'est pas ici. Hop. On a un petit cesse dans la cuisine. La cuisine? Oh non, non, j'ai. Je sais plus parler, moi. Bien. Ah, j'ai trouvé la Ouija. Je vais enlever mon bracelet parce que ça rippe sur ça rippe sur le tapis. Non, c'est juste qu'il est mauvais joueur. Il y a la Ouija juste là. Ok. Bonjour à toi. Ça va et toi? En direct, vous avez Cédric. C'est mignon. Bah, t'es gay. Pourquoi je sens que ça va encore être à l'étage? C'est toujours à l'étage dans cette baraque. Ouais, ou en bas. On a pas trouvé l'autre encore. Enfin, moi perso, je l'ai pas trouvé. C'est toi qui as claqué la porte? Oui, c'est moi. Oh, j'aurais dû le faire. J'aurais dû faire flipper. En fait, même ce bracelet, il me gêne. Ça y est. En fait, c'est une technique pour la laisser prendre du temps. Oui, bah voilà, ouais, comme d'hab. le générateur électrique, il est en bas dans la cave. Ouais. Salut. Hello. Hello. À tous les coups, ça va être à l'étage. Je sais pas, c'est bizarre parce que j'ai vu 14, mais ça descend pas plus bas. Donc,
On aurait peut-être dû éteindre des lumières aussi. J'espère qu'il n'y aura pas les plis de Dimitrescu. Ah, mais oui, c'est... Ah, les idées Dimitrescu. Ouais, ben, Lady Dimitrescu, comparé aux autres, c'est un ange de cœur. Ah, c'est là, c'est dans la chambre. C'est où, t'es à l'étage? Ouais, c'est la dernière chambre tout au fond. Comme d'habitude. J'ai eu 8 ici, donc... Ouais, il y a 8 ici. Bon, par contre, on n'a pas trouvé l'os. Ça, c'est pas normal. C'est toi qui viens d'éteindre? Non, j'ai rien touché. Ok, ça s'est éteint dans la salle dedans. C'est là. Je voulais allumer et je voulais chercher le... C'est toi qui a ouvert? Ah oui, d'accord. Je voulais chercher l'os parce que je le trouve pas. Je sais pas où il est. Je l'ai pas vu moi l'os. Bah non plus. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Voilà, 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 voilà. En tout cas, on sait que c'est dans cette chambre-là, parce qu'il y a 8, donc... 8, 9. T'as trouvé là, dans cette pièce? Ouais, ouais, il y a 5. Ouh, potentiellement du... Moi, j'ai rien avec le K2. Ah ouais? Pourtant, c'est juste ici. Après, ça peut être dans la salle de... Bah non, salle de bain, j'en viens, il n'y avait rien non plus. Ouais, mais elle a éteint tout à l'heure. Ah! Oh non, j'ai fait péter les plombs! Ah merde! Faut que j'aille rallumer, attends, j'y vais. Je vais lancer ça. Non, ça me paraît bizarre là. Je vais essayer de voir si je trouve l'os. C'est moi ou on marche plus vite? Ah putain! Comme il a flippé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu, tu sais, quand il fait grrrr. Ah, ouais. Donc il est là. Il est dans la salle de bain d'ici. Tu vois, je te l'avais dit qu'il était dans la salle de bain. Ah, je t'entends avec le K2. Eh ben, on entend vachement mieux les bruits comparé à avant. Ok, donc il est là, il est ici, je l'ai trouvé. Aziz, lumière. Oh, ça c'est pas lumière. Je sais plus comment on fait pour jeter. Non. C'est F ou G, je sais plus. G, F, F. Bon, eh ben, du coup, je peux utiliser le sel tout de suite puisque je sais qu'il est là. Bah moi je vais aller récupérer autre chose. Je vais mettre du sel ici, je vais mettre du sel ici. Et puis je pense qu'il doit marcher par là, donc je vais mettre ici. Ça, je peux jeter du coup. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme accessoire? Ah bah rien. J'ai récupéré la caméra, du coup comme ça on va pouvoir regarder s'il y a une lampe. Hello. Hello. It's me. Et on a déjà passé le timing là? Je crois, ouais. Oui, on l'a passé. Je vais prendre la lampe UV. Ouais, bonne idée ça. Lampe UV, je vais prendre le carnet d'écriture. T'as mis où du coup Ah, c'est vrai aussi qu'il y avait le. Ah, mais c'est pas la bonne chambre. Mais. Il y a le bâton. T'as mis du sel là-bas. Eh ben, parce que c'est là qu'il est apparu, c'est dans la salle de bain. Dans cette chambre là? Mm-hmm. Mais c'est trop bizarre. Pourquoi il aurait apparu ici alors que moi j'ai le truc là? Là j'ai pas d'empreinte digitale. Je trouve ça un peu bizarre. J'ai pas d'empreinte là. Non, c'est ici, température glaciale dans la chambre. Oh, mais t'es sérieuse? Oui, je te l'ai dit que c'était pas là-bas. Hein. Pourtant, j'ai eu un lecteur, j'ai eu un 4 sur le K2. Ouais, ben, je sais pas. Mais c'est pas là. Oh, c'est je viens de gaspiller du sel pour rien, tiens. T'es nul, qu'est-ce que je te dis? Alors, comment ça se fait qu'il est apparu, là? Bon, bah, du coup, te détourner, je sais pas. Je vais aller chercher de l'encens, comme ça sera fait ça. Il faut pas, il faut des bougies aussi, ouais. Je crois. Alors, déjà, ce qu'on est sûr, c'est qu'on peut noter température glaciale. Ok, donc température glaciale. Donc, c'est soit un spectre, soit un fantôme, soit une banshee, soit un cauchemar, soit un démon, soit un yurei. Un peu tout, quoi. Un peu tout, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la bougie aussi. Give us a sign. Non. Non.
Ah, mais ça me fait revenir dans la maison. Ah. Non, je vais jeter ça. Il a allumé la lumière. Je vais récupérer après. Ce que je vais faire, c'est que je vais... T'es dans le camion, là? Ah bah non, trop tard, je reviens. Ah mince. On aurait pu regarder s'il y avait une lampe. Il est pas très violent, hein? Oui, bah tant mieux, hein. Tant mieux. Ah bah tiens, il y a des bougies juste là, en plus. On va faire un bon truc satanique, tu vas voir. Ouais. Je suis en train de purifier la chambre avec la souche. Non. T'as raison, purifier. Ah, il a pas l'air d'avoir aimé. Ah, il a pas aimé ça. Hein. Il a pas aimé. MF2. Il y avait la bougie aussi, du coup je vais aller chercher la bougie et mais je vais regarder s'il y a une orbe. Déjà posé. Il y a de l'eau qui coule. Il y a de l'eau qui coule, je ne sais pas où. Là, dans la salle de bain. Ouais. Il y a l'eau sale dans la vie en fait. Oula, pic d'activité 9. Ouais, mais que meuf niveau 2. Donc pas sûr qu'on ait. Au niveau 8. Bougie, t'as pu en récupérer où je prends? Ouais, elles sont déjà par terre en fait. Ok, alors attends, je vais prendre du coup. On aurait pu prendre la Ouija aussi. Je vais regarder s'il y a une orbe. Hop. Ah, mais il y a la lumière qui est allumée. Ah, attends, tu veux. Y'en est voir rien. Y'en est voir rien. Mais. C'est bon? Il faut que je ferme la porte. Alors oui, c'est dans... ouais, ferme un petit peu la porte, peut-être. Bon, je ne vois pas d'orbe. Vous êtes d'accord? Vous ne voyez pas d'orbe non plus. Ouais, non, mais je vais tourner la caméra, attends. Peut-être la tourner au niveau de la salle de bain ou du lit. J'essaie de la récupérer, voilà. Ah, l'angle déjà là est mieux. Non. Ouais, je triche, ouais. Je vais voir si je la tourne en direction de la salle de bain. Bon. Ça n'a pas l'air non plus, hein. Ouais. Et... de ce côté. Ouais, au niveau des placards. Ça doit être moi ça. Ouais, c'est... Attends, mais comment je l'ai mis hein? Je suis devant, bonjour. Non, écoute, j'ai pas l'impression qu'il y ait. Non, c'est mon faisceau. Oui, c'est ta lumière. Regarde, hop, si j'éteins, il y a. Bah écoute, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Il hein. N'y a pas d'orbe, ok. Bon, qu'est-ce que j'ai comme équipement? Attends, je l'ai reposé. Parce que il est juste devant le truc. Non, je pense qu'il n'y a pas d'orbe. Pas d'orbe. Qu'est-ce que... Oh, MF niveau 3 quand même. Hein. Fais voir Spirit Box. Oula, il a ouvert toutes les portes de placard, je crois. Pardon. Il m'a soufflé dans les oreilles. J'aime pas quand tu fais ça. Et voilà. Non mais Ne dis pas que t'es morte hein. Non, je suis pas morte. Non, il a pas attaqué. Non mais sous moi, il arrête pas d'allumer et d'éteindre les lumières. Ah, t'as ramené la spirit box toi. T'as pris de l'enfuir. Bonjour. Daniel Jackson, are you here? Pas ça, il va venir. Attends, la question est jet. Janet, Daniel Jackson, what's your name? Bah, Daniel. Hein. Quoi, vous êtes où? Vous êtes Where are you? Ah, dans ça, il a clignoté dans le. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? C'était quoi? Ah! Elle est où? Ah! Ah putain! Ah, je suis pas sûre de l'avoir vu. Tu vois? Je crois que je l'ai mis en photo, mais je suis pas sûre. Ah, elle m'a fait. Ah, empreinte digitale!
Ouh, attends, j'ai le truc en plus. Ouais, bah, c'est ça. Oui. J'ai pris en photo. Alors, attends, elle y est là. Du coup, c'est soit un spectre, soit une banshee. Tu l'as pris en photo, l'empreinte digitale? Oui, bah oui, parce qu'en fait, en voulant le photographier lui, bah j'ai photographié l'empreinte digitale qui est sur la porte. Parfait. C'est complètement con, mais... Punaise, il m'a fait flipper, ce con. Qu'est-ce qui te manque alors, du coup, parce que... Eh bah, le sel que j'ai bêtement gaspillé. Non, mais je crois. Et... Ah, qu'est-ce... Ah non, j'ai vu qu'il attaquait. Alors, c'est spectre ou banshee? La banshee, il lui manque quoi? Alors, banshee, on a dit... il faudrait EMF niveau 5. Et bah, moi, dans la salle de bain, j'avais un 4, j'ai pas eu un 5. Il faudrait la spirit box. Spirit box, il a pas parlé dedans. Enfin, en même temps, on n'a pas essayé sérieusement. How old are you? Tiens, je t'ai eu! Pardon. On est à 50% de santé mentale. Je l'ai en photo. Ah, faut qu'il éteigne la bougie. Ah, mais tu l'as allumé la bougie ou quoi? Non. Ah, bah bravo. Non. Pourquoi je sens que dès que je vais arriver, il va attaquer? What do you want? Non mais arrête d'allumer ce... Même seul, il arrête pas d'allumer le lavabo là-bas. Elles sont toutes par terre les bougies, tu peux les allumer. Tiens, amuse-toi avec ta spirit box. Moi je me casse. Allez, salut. Il est où mon coup? Voilà. Oh voilà. Oui, baguette. Je suis pas sûr que la Ouija servirait à quelque chose. Bah non, parce qu'on a déjà trouvé où il était. On sait où est-ce qu'il est. Tiens, pose des questions sur la spirit box. Daniel Jackson, are you here? Oui, bah ça on a compris. On sait qu'il est là. What do you want? Tiens, prends. How old are you? Ça marche pas. Attends, je te laisse la spirit box. Faut la prendre dans les mains ou pas? Ouais, tu peux, mais t'es pas obligé. Daniel Jackson, how old are you? Peut-être que je me mets dans la salle de bain. How old are you? Oh. Daniel Jackson, how are you here? Rien détecté. Il n'a pas l'air de vouloir communiquer, Daniel. Daniel? Would you like to speak with me? J'ai EMF niveau 2, non? Il veut pas, hein. Apparemment, Spirit Box, il veut pas. Donc, du coup... Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais me mettre dans un placard au cas où qu'il attaque tout de suite, parce que je sais pas pourquoi je sens qu'il va attaquer. Parce que je voulais faire le point sur Banshee ou Spectre. Spectre. Alors, ils ne touchent presque jamais le sol, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être suivis par des pas. Mais dégage! Ah, j'ai entendu le hey! Ah, t'as entendu le hey! Les spectres ont une réaction toxique au sel. Et ça serait Spirit Box, mais non, il ne veut pas parler dans la Spirit Box. Donc du coup... Il attaque! Ah, tu vois, j'ai bien fait de le mettre dans le placard. Il va me tuer! Non! Non, j'ai besoin de toi, hein. Meurs pas. Non, je crois qu'il est dans le couloir. Je viens de voir passer sa hache. Tais-toi, bouge plus. Je regarde. Non, il ouvre la porte de mon placard.
sais pas, il a ouvert des portes là. Non, il ouvre mon placard. Si, il a ouvert la mienne aussi, je crois. C'est bon, il a arrêté. Ah non, c'est bon. Oh mon dieu. Il m'a fait flipper le con. Vas-y, c'est pas cool. T'en ça d'ouvrir les placards. Par contre, on a vraiment pas trouvé l'os. Bah non, et je vois vraiment pas où il est. Bah, je sais pas. Parce que du coup, il va nous rester que le sel. Et ah, quoique, faudra aller voir s'il est allé dans l'autre chambre. Ah, peut-être qu'il a peut-être marché dedans. Maybe. Parce que concrètement, il nous resterait que ça en plus. Mais il nous manque en fait une preuve, quoi. T'avais un EMF niveau 5? Parce que Spirit Box, il parle pas. Ouais. Bah non, il est monté qu'à 3 le EMF. C'est moi, quand je suis dans la salle de bain de l'autre chambre, après, je suis monté à 4. La Spirit Box, tu l'as laissé sur le sol? Ouais. Parce que là, ils disent justement que les spectres, ils touchent pas le sol. Oui, mais je l'avais dans la main. Je suis allé dans la salle de bain pour parler. Et ça me disait à chaque fois rien détecté. Par contre, le Banshee crée des crucifix. Donc on pourrait essayer avec un crucifix. Il est là le crucifix. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Bah après j'ai pas besoin de prendre des photos, j'en ai besoin. Je vais prendre le crucifix. Parce que du coup là... Ouais bah non, non et puis tout ce qui nous manque c'est le sel. Oui c'est ce que j'allais dire, on est à combien là? Ouais 32, 39, c'est pas extra terrible. Et pourquoi j'ai les mains pleines? Mais j'ai plus besoin du briquet là, j'ai pour moi ça. J'ai plus besoin du briquet. Des pilules. Voilà. Ah oh, ça va mieux. J'ai pris mes antidépresseurs. Un petit coup de Xanax, ça va mieux. J'avais le sorti. Un petit coup de Xanax, ça repart. Allez hop. Yep. Ça pourrait faire un bon slogan, ça, après Mars. Xanax, et ça repart. Qu'est-ce que, il a tout éteint? Ou ça se passe comment, là? Non, c'est qu'on n'a jamais allumé. Oh, il a ouvert toutes les portes de placard. C'est un connard. Va des rétro. Du coup, il sort de la salle de bain, donc je vais peut-être jeter le crucifix ici, là. Mm. Ah, il a éteint les bougies. Ah, bien. Il a rien écrit, bah oui, non, il a pas besoin. Par acquis de conscience, quand même, je vais déplacer. What do you want? What do you want? Non, mais le carnet il sert à rien. Give us a sign. Give us a sign. Ça serait risqué si je mets dans le placard de la chambre, là. Hein? Ce serait risqué si je me mets dans le placard de la chambre. Je pense. Bon, EMF niveau 4, je pense que c'est un EMF niveau 5. Il attaque? On part sur une Banshee? Non, non, il... Salut. Putain. Comme ça flippé. Ah non, c'est lui qui a... À mon avis, je pense que c'est une Banshee. Ouais, je pense aussi. Que le MF est monté à 4 et généralement... Bon bah c'est bon, on peut y aller. Spirit Box, il veut pas. On a quasi tout à part le sel, puisque monsieur n'a pas mis dans la bain. Oui, bah tu m'excuses, il a apparu dans la salle de bain. Vous êtes témoin, hein, on a tous entendu le... Ah, Charles. Donc pour moi, il était dans la salle de bain, non, la première. C'est pas, tu fais des bêtises. En plus, je te l'ai dit, tu m'as même donc, pas dit. Donc, PMF niveau 5, Banshee. Et vous allez voir, ça va être un spectre. Attends, je vais pas y aller. Ah, voilà. Si c'est un spectre, je pète un câble. Vas-y. Je suis enlevé au camion. Ouais, vas-y. Allez, vas-y, Jamy. En route. J'ai pas envie de voir le résultat. Si c'est un spectre, je me suicide. Mais c'est pas possible! Mais c'est une blague! Il répond pas à la Spirit Box! Non, mais en plus, c'est vrai, vous l'avez vu, vous êtes témoin, on a fait la Spirit Box, il a pas voulu répondre. Donc... Bah, je sais pas, est-ce qu'il fallait attendre un petit peu plus? On n'a pas posé les bonnes questions? Bah, quand même, d'habitude, quand on pose ces questions, ça fonctionne. Donc... Bah, ouais, en plus, il disait qu'il répondait à tout le monde, donc qu'on soit seul ou pas, ça changeait rien.
Bon, c'est au moins fait 80$ et on n'est pas mort. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Hein? Bravo, bien joué. Bravo. Bon, allez, oh, revenge. Ouais, ouais. Je vais mettre un autre pot de sel parce que je sens qu'il va refaire la même. Alors, hop. Du coup, j'ai combien là? Oh, j'ai 100$, mais c'est que je peux aller loin avec ça. Ouais, 659. Bah, pendant 100, on avait. Bah, écoute, je pense qu'on peut repartir avec la même chose. Hein. Ah, ouais. Allez, bah, j'ai choisi un contrat. On a Tanglewood Street Asylum. Non. Ridgeview Road House ou Crofton Farmhouse. Tanglewood Street, là, c'est pas mal. Tanglewood Street. Elle est cool, Tanglewood Street. Je voulais poser mon téléphone. I'm ready. I'm not ready. I'm ready to... I'm ready to fight. J'ai mal au bras. Le temps va changer. Et puis, il y a peut-être le fait aussi que... J'ai rien. Vous êtes... Non, mais il est violent. Il est violent, hein. Ouais, j'ai plus envie d'être gentil maintenant. Normalement, c'est moi qui suis violente avec Elise, d'accord? M'en fous. D'après ce que t'as dit, hein. Je m'en fous. Ah merde, si je fais pas démarrer, ça va pas démarrer. Alors, il s'agit de David Martinez. Martinez. Il répond qu'aux personnes seules. Il faut trouver des preuves avec le K2, il faut qu'il marche dans du sel, tu vois, t'as bien fait de reprendre du sel. Et il faut détecter... Punaise, c'est le seul truc qu'on n'a pas pris et en plus j'ai hésité à le prendre. Ça a dû me dire, je l'aurais pu. Bon, bah c'est pas grave, on va faire ça. Ils ont pas rajouté des photos. T'es où? Ah. Elles y étaient, ouais, ces photos, là. Il y a des photos qui ont été rajoutées, non? Celle-là, celle du gamin sur la gauche, elle y était, mais les autres... Celle-là, elle me dit rien avec le rocking chair, là. Ouais, non, pareil, ça me dit rien non plus, ces photos. Mais celle-là aussi, là, le rapport, là, de la rue. Et là, c'est pas la mère Michel qui est dessus? Non. Non, parce que sinon, je pourrais pas l'avoir. oui, non, mais on vous expliquera. Un jour, il faudra peut-être qu'on l'explique. Un jour, oui, je vous expliquerai qui est la mère Michel. Oui, parce que... Anne-Lise, de son prénom. C'est à son âme, Bichette, mais... Enfin, voilà. Oui, d'ailleurs, ça pourrait être un bon sujet de vidéo que je raconte un petit peu quelques des dossiers Warren, que je vous raconte des vrais cas d'exorcisme, les plus connus en tout cas. Mm-hmm. Si ça vous intéresse, mais je pense que ça va vous intéresser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, lampe de poche. Pourquoi il y a... Qu'est-ce qui t'a fait l'appareil photo pour que tu le jettes violemment par terre? Je sais pas, il m'a pas plu. Ok. Ah, Sony. Ah, j'aime pas Sony. Je préfère Canon. Ah non, c'est cette maison, je meurs à chaque fois dans cette maison, j'aime pas cette maison. Je déteste cette maison. Bon, je vais tout allumer tout de suite. Ouais, enfin, allume pas tout non plus parce que... De toute façon, je sais où est-ce qu'il est, il est toujours dans la même pièce dans cette maison. Il est toujours par là en principe. Non, parce que moi la dernière fois, il était là dans la chambre du bébé. C'est bête parce que les maisons sont jolies, mais... Pourquoi elles sont hantées comme ça? Oh, ça pourrait être à chaque fois, c'est dans cette pièce. Ça, j'en ai marre de faire des blagues de merde. Ah, vous allez voir, il va me faire mentir, il va pas être dans cette pièce. Bon, il n'y a pas l'os, il n'y a pas de Ouija. Qu'est-ce qui t'a arrivé? Il m'a fait peur, le tonnerre. Ah, ça va, je l'ai pas trop entendu, moi. Heureusement que c'est... Ah, j'ai l'os. Mais tu sais que, c'est vrai que j'y pense, on n'est plus obligé de se cacher dans les placards, hein, puisqu'il y a les meubles aussi. Ouais, maintenant, je sais, on mais peut se cacher derrière les meubles. Ah oui, l'os, il est là. Ah, il y a 11 dans la cuisine. Ah, et il y a une... Ah, j'ai 3. Ouais, bah c'est là. J'ai 3. Cherche pas, c'est ici, c'est dans la croûte. Je pense, ouais. Ouais, parce que j'ai eu un pic à 11, mais... Parce qu'il y a... En plus, il y a une tasse qui est par terre. Poltergeist peut-être. Ah. Ah, ça, il m'a foutu le truc par terre aussi. Ah.
Ouais, mais non, c'est pas ici. On pourrait trouver la Ouija, ça serait bien. Ah, il y a une porte qui s'ouvrira quelque part. Allez, donc nos. Ouais. Ok, donc je vais mettre le MF là. Alors, c'est un peu bizarre parce que. Bah, du coup, le sel. J'ai un 13. Ouais, à mon avis, il se balade par là. Alors, on va faire stratégique. Je vais mettre du sel ici. Je descends dans la cave. Je vais mettre du sel là. Ah, bah, il vient de marcher dedans. Oh, bah, tu vois. J'ai à peine eu le temps d'en mettre. Est-ce que je pourrais trouver. Oh, un rocking chair, Annabelle. Ok, donc on sait qu'il est par là. Alors, on va essayer de pas perdre du temps. Je vais aller chercher caméra et tout le bazar là. Le truc pour les plombs, il est en bas, il est dans le garage. Dans le garage, ouais. T'es à l'intérieur. C'était quoi déjà? Ah oui, capteur de mouvement. Ah bah le sel, c'est fait. Ah bah on a tout fait. Ouais, il faut que le capteur de mouvement et c'est bête, on l'a pas. Oula, par contre, notre santé mentale, elle descend vite. Hein. Ouh, ouais, à voir. On est à 80%, donc... Ça, c'est peut-être un nouveau, alors. C'est peut-être quelque chose qui bouffe de l'énergie. Si c'est un truc qui bouffe de l'énergie, c'est que c'est un UI. Bon, je vais aller me récupérer des affaires. Donc. Qu'est-ce que je voulais prendre? Oui, la caméra. Bah, je vais prendre la lampe UV du coup. Hello. Alors du coup, je vais peut-être le mettre là. Je pense que ça peut être stratégique. Et pour... Ah, attends, il a marché dans l'autre selle là-bas. Mm-mm. Et il a pas marché dans celui-là. Donc, à mon avis, il doit être par là. Est-ce que je pourrais mettre... Je vais mettre l'appareil photo là. Vas-y, je suis dans le camion, je vais pouvoir regarder. Je pense que là, ça pourrait être bien comme angle. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de faire voler la théière. Ouf. Ça, c'est chaud. Hein. Vas-y, attends. Oui, oui, bah attends, moi je me tire. Hein. Je reste pas dans le nord tout seul. Hein. Alors, de ce que. Il y a rien. Parce que tu vois, il a marché dans cette celle-là, dans celui-là, et celui qui est là, il a pas marché dedans. Mais je me demande s'il est pas là dans l'ombre. Parce qu'il me semble avoir vu un truc, mais je suis pas sûr. Punaise, ça veut dire qu'il faut que je re-rentre. Attends, je prends. Qu'est-ce que j'ai comme matériel? Ah oui, j'ai rien, non. Du coup, je peux peut-être prendre des trucs. Sauf si tu veux que j'y aille. Attends, je réfléchis. Je vais prendre le crucifix. J'avoue que ta santé mentale, elle baisse pas mal. Hein. Je crois qu'il répond aux personnes seules en plus. Ah! Bon, bah quand faut y aller, faut y aller. Oh lui, ça t'a chuchoté. Oui. Il y a le lecteur EMF. Je sais pas, je le vois pas. Ouais, ouais, ouais. Il s'agite. Il a pas écrit dans le carnet. Où est-ce qu'il y a de place à côté? Il y a l'eau sale. Ah. Et décale, ouais, la caméra. Oh, putain! Oh, il attaque! Oh, je l'ai vu! Au secours! Ah, bon, regarde, il est encore dans la cuisine. Putain! Putain, cache-toi, cache-toi! Ah, putain! Mais cache-toi, mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas fermé la porte? Merde! Tu vas mourir. Si tu meurs, je te tue. Punaise! En plus, je peux rien faire. J'étais sûr qu'il m'attaquerait quand je serais tout seul. Par contre, t'es à 70% de mon santé mentale. C'est bon, il a arrêté d'attaquer. Ah, mais c'est vrai qu'il y a les meubles qui peuvent cacher. Du coup, j'étais caché derrière le bureau là. Ah, bon, ça va.
Ah, elle m'a fait flipper. Je pense que... Bon, moi, j'ai besoin de prendre l'air. Je pense pas que... Je sors. J'ai besoin de prendre l'air. Je vais voir s'il y a des... Ah, je respire mieux, même s'il pleut. C'est pas grave. Ah ouais, et puis d'activité 10. En plus, je voulais prendre quoi, là? Oui, je voulais bouger la caméra. Ah ouais, 66%. Je sais pas ce que c'est, mais empreintes c'est digitales. T'as les empreintes digitales? Ouais. T'as un appareil photo? Ouais, ouais, c'est fait déjà. C'est pris. Je vais essayer de bouger la caméra, du coup. Hop. Hop. T'as pris l'eau dans l'évier? Non. T'as pris les traces de sel? Ça sert à rien, ça les contamine pas. Ah d'accord. Ah d'accord. t'avais pris l'eau, ça? Oui, en photo, oui. Ok. Attends, ok, je vois, t'as bougé la truc, je vais aller voir du coup. C'est toi qui t'y colle pour l'ordre, cette fois-ci. Alors, c'est soit un esprit, soit un spectre, soit un porteur égale, soit une banshee, soit un revenant. Donc c'est pas Yoway. Ouais. Est-ce qu'on a eu quoi comme preuve là? J'ai rien noté. Merde. Le MF il était à 5? 4. Ouais, non, bon, on va pas reprendre le risque avec comme avec le spectre. Hein. M'en fous, j'ai éteint, tu te débrouilles. Alors... Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre? Non. Ouais. Sauf s'il se manifeste à partir de la table. Ouais, il faudrait que je mette dans du le coup, sens. Du coup, il faudrait, ouais, au moins par acquis de conscience pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ordre. Merde. Ah, comme ça. Pourquoi ça m'a changé le truc, toi? Oh, c'est quoi ça? Non. Non. Je pense qu'on peut dire sans crainte qu'il n'y a pas d'orbe. Donc tu m'as dit qu'on avait au moins empreinte digitale. Je sais pas si c'est... oui, empreinte digitale. Il est où le carnet? Ah, mais il est par terre. Ah, c'est qu'il l'a acheté alors. Ouais. Santé mentale, on a combien là? Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. David Martinez. David. Et je crois qu'il répond aux personnes seules. Oui. Personne seule, ouais. David Martinez. Are you here? Seul, ça sert à rien. Ouais, non. Ah, peut-être qu'il fallait parler en espagnol. Hola, ¿qué tal? Vamos! Vamos! Il est un poquito timide quand même. On va essayer toutes les langues, hein. Guten Tag, wie geht es dir? Buongiorno, come stai? Ah, ah! Il comprend l'italien. Peut-être en japonais. Konnichiwa. T'as les jambes des... Mais c'est pas vrai. Regarde, il a fait tomber le truc là. Ouais, mais je te dis, il fait voler plein de trucs. Ça pourrait ressembler à un poltergeist. Et j'avais vu dans la nouvelle mise à jour... Ah oui, poltergeist. C'était dans la nouvelle mise à jour aussi. Il y avait un autre esprit. Je crois que c'était Yurei qui était capable de pouvoir faire bouger les choses aussi. Et je crois même, dans la mise à jour, il disait que le Yorei... Ah, mais il n'y a pas d'ordre fantomatique. Il faudrait l'espérer. C'était le Yorei, je ne me rappelle plus. Si, je crois que c'était le Yorei qui disait, s'il fait bouger des objets dès le début, avant même de se manifester, c'est que déjà vous avez des indices. Il y a 4 ici. J'arrive pas à l'attraper. MF4.
décrit pas dans le journal. Ah, il a ouvert les portes du placard. Non, c'est moi. Ah. Ah, ah. Are you here? Are you here? No. What do you want? Nothing. Arrête de fiche-moi, toi. Ouais, il n'y avait pas de Ouija en plus. Enfin, bah ouais, non, c'est un peu bizarre. J'aime pas ce calme avant la tempête là, ça... je sens qu'il prépare son attaque. C'est à 54% toi. De santé mentale? Ouais. Ah non, il n'y a pas de Ouija nulle part. Hein. Ouais, non, j'ai regardé aussi, mais... T'as bien fouillé dans les placards? Ah ouais, j'ai tout bien regardé partout et Ah, il a éteint la lumière. Non, c'est moi qui ai éteint. Ah, ok. Je voulais regarder s'il y avait une orbe et tout, mais toujours pas. Bon, Si je lui mettais un petit coup de sauge dans la tronche, peut-être que ça le ferait s'activer un peu. Ah, il est pas ultra actif, hein. 4, 5, il est pas super actif. Ma sauge, elle est où? Ah. David Martinez? Give us a sign. Oh. Température glaciale. Ah. Enfin, je crois. Ça serait un spectre ou une banshee. Ah non, hein. Non, non, attends, soyons sûrs. Je vais déjà lui balancer le crucifix à la tronche. Ouais, si, c'est ça. Attends. C'est un spectre. Et ça, c'est où le thermomètre? Où est-ce que je pourrais... Tiens, je vais le mettre par là. Ah oui, température glaciale, ouais. Il est où le thermomètre? Il semblerait. J'ai bien l'idée, ça va pas te plaire. Et bah il était là tout à l'heure, donc soit il l'a acheté. Il l'a foutu à la poubelle. Et oh, tu sais combien ça coûte, David, les appareils là, hein? C'est gentil, David, là. David Martinez. C'est toi qui as tous les placards là? Oui, oui, c'est moi. Oh punaise, j'ai fait... On aurait dit la scène de Paranormal Activity. Ah, j'entends des bruits, pas d'ailleurs. J'aurais dû lui dire non, ça aurait été grave. Bon, il va se prendre un coup de souche dans la tronche. Tu vas voir, je vais te calmer. Je vais te calmer. C'est quoi? Ah, il est là, le thermomètre, il était sous la chaise. Ah oui, il y a moins 10, ouais, donc bah oui. Moins 10, ah oui, il fait froid quand même. Alors, briquette. Bon, attends, avant d'entrer, je m'allume une clope parce que là, faut que j'évacue. David Martinez? Non, appelle-le pas quand je rentre! David Martinez! Appelle-le quand tu vas dans la maison! Eh oh! Ouais, oh, là! Tiens, prends-toi ça! Ô sauge dont la pureté n'a pas été altérée, permets-moi de purifier cette maison hantée! Ou en U? Parce que. Je sais pas moi. Bon, je pense pas que ça va lui faire grand chose. Peut-être l'exciter un peu. Ça va pas l'air de l'emmerder. Ouais, ça a pas l'air de. Dis qu'elle pue ma sauge. Il y avait son sign.
crucifié, rien. Pas tiens, de. Dans la spirit box. Pas d'écriture fantomatique. Yo mon. Yo mon truc. Je te laisse avec lui. Salut. David Martinez. Ah, c'est bien. On communique déjà avec la lumière. Merde. Please, tell me, how old are you? I would like to speak with you. Please give us a sign. Ils sont pas les steaks. Moi je te dis, c'est un spec. On s'est fait avoir la première fois. Et... Please be cool with me. Don't be afraid. Don't kill me, please. I want to kill you. Non, j'ai dit don't be afraid. Il fait le contraire de ce que tu veux. How old are you? Where are you? Ah non, mais il a fait tomber le tableau là. Mais c'est pas moi qui l'ai trouvé. Ah, je l'ai, d'accord, je l'avais pas vu. Bon, ok, tu veux pas parler dans la spirit box, j'ai compris, tu veux pas me parler dans la spirit box, tu veux pas me parler, bah ok, là. Bah, attends, je pense que c'est un spirit. Il a éteint les lumières. Au secours. Au secours. Je sors. Viens, on parie sur un spectre. C'est une banshee. Je fais tant de calme. Attends, il faudrait voir. Qu'est-ce qui est capable de faire bouger tant d'objets comme ça? Un poltergeist. Mais ça fait pas partie du poltergeist. L'empreinte digitale, c'est sûr que tu l'avais? Ouais, ouais. Empreinte digitale. Regarde, elle est dans les trucs. Ok, ouais. Donc, empreinte digitale, c'est sûr. Température glaciale, c'est sûr. Oui, donc c'est ou spectre ou banshee. Je pense que c'est un spectre. La banshee craigne le crucifix seront moins agressives à proximité d'un. Et j'en ai jeté un crucifix justement. Et là il est moins agressif? Bah elle se manifeste pas quoi. Parce que regarde, force unique, une banshee ne ciblera qu'une personne à la fois. Et elle m'a attaqué quand j'étais tout seul. Faites exprès. Et là... Et là, 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 le crucifix... ah oui, c'est vrai qu'elle a fait péter les plombs. Et le MF, on l'a pas eu niveau 5. Bah, on l'a mis niveau 4, mais... Sur quoi on part? Ne touche presque jamais le sol, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être suivis par des pas. Ah, on nous dit que les spectres, ils ne touchent presque jamais le sol et ils ont une relation toxique avec le sel, mais il a marché dedans. Ah oui, donc ouais, non. Donc s'il avait une relation toxique avec le sel, il l'aurait pas touché au contraire. Bah, il nous aurait pas attaqué, enfin, il nous aurait attaqué tout de suite, quoi. Bah, ouais. Bah non, t'as peut-être raison, on part peut-être sur la banshee. Ouais, moi je serais bien tenté de dire la banshee du coup. Hein. J'ai pas envie de mourir, on part sur la banshee. C'est... J'avoue, ouais, j'ai pas envie de mourir non plus. Allez hop, banshee. Tu devrais rentrer. On va faire. David Martinez. Dépêche-toi ou je pars sans toi. Tiens, tu te sens rouler. Ah, tu vois, je lui ai dit, ça lui a pas plu, hein. Il est en train de passer à la tête. Il est pas content. Je te jure, si c'était un spectre, je fais pas gaffe. Non, pas deux fois de suite quand même, merde. Pardon. Bien, d'accord. Merci. D'accord. Non, mais ouais, d'accord. Moi, c'est le sel et c'est le crucifix parce que dès lors que j'ai jeté le crucifix, fait exprès, alors, ça se manifestait ouais. Plus. Donc, c'est, ça paraissait logique. Oh, je viens de gagner un niveau. Bon, est-ce qu'on attend, on fait une petite dernière? Il est 2h15. Une petite dernière. Allez. Petite. On est plus tôt, tiens. Voilà, on va se faire un petit truc rapidos. Voilà. Bon, cette fois-ci, on va pas se faire avoir. Je vais acheter un détecteur de mouvement. Tu veux que je le prenne? Moi, j'ai pas beaucoup. Non, mais c'est bon, j'avais 200$. D'accord, ok. Tac. Il manque pas des choses, par contre. Si, tiens, je vais rajouter ce que je possède.
Voilà. C'est pas que ce que tu dis ne m'intéresse pas, mais... Non, mais j'ai compris, c'est bon, ça va. Ça va, c'est bon. Parle à ma main. Bon, je crois qu'on a tout, cette fois-ci, on a tout. Allez, contrat. Contrat. Edgefield Street House. Si tu veux. Parce que j'aime pas les femmes. Ouch. Pourquoi il me met professionnel? Non, non, pas non, professionnel. Non, on me dit amateur. Amateur, sélectionné, prêt. Voilà. Voilà. Démarré. Voilà. Ah non, c'est pas les fermes toutes dégueulasses là qui font flipper? Si, j'aime pas les fermes. Non, mais non, je voulais pas prendre ça. Mais c'est pas la ferme ça. Non, c'est une des maisons, ça, c'est pas la ferme. Ah, bon, tant mieux alors. Alors, il s'appelle Richard Miller. Alors, pourquoi il s'appelle pas Joël? Joël Miller. C'est Last of Us ou Richard Croft. C'est son frère, mon cousin éloigné. Mais là, il s'appelle Tommy. Son frère s'appelle Tommy. Il y en a un autre dans Last of Us 3, tu verras, mais je vais pas le répéter encore. Je suis sous contrat avec Naughty Dog, donc. Allez, réponds, parfait. Santé mentale en dessous de 25. Ah, ça veut dire que c'est un truc qui bouffe de l'énergie. Ouais. Il faut assister à un événement paranormal et faire en sorte que le fantôme éteigne une bougie. Okay. Yes, on a acheté un détecteur de mouvement pour rien. Ouais. J'ai claqué 100 dollars. J'ai claqué 100 dollars pour rien. Ouais. À jour, dans Phasmophobia, j'ai claqué 100 dollars. Je vais te vendre sur LinkedIn. Mais qu'est-ce que je fais moi? Mais n'importe quoi là. Et je veux pas ça. Là. C'est voilà. La première maison qu'on a faite en fait. Hein. Ah mais on revient dans celle-ci? Parfait. Ouais. Bon ben c'est dans la chambre du haut, cherche pas. Ah, j'ai trouvé l'os. Je crois que c'était là et tombé sur un os. Il est bête. Oh, mais on a oublié de les récupérer à chaque fois. Ah oui, c'est pour ça qu'on avait moins de sous. Punaise. J'ai à y penser, mais... Ah, il y a la Ouija dans... Ah bah il y a l'os. L'os et la Ouija qui sont oh, dans... Oh, j'ai pas vu la Ouija. Elle est où? Là, sous l'étagère, avec l'os. Voilà. Je vais même pas regarder, je suis nulle. Bah attends, on va regarder Ouija du coup. Hop. Quand je vois ce piano à chaque fois, ça me fait penser à Conjuring. Alors. Ah non, mais là on est dans la chambre. Ah. Alors. Ah, bouge. G. I. R. L. S. K. I. D. D. E. D. R. O. The Zoo Room. Alors c'est Girls quelque chose Room. C'est en haut je pense. Pourquoi on note pas à chaque fois, on est con. Ouais bah. Le principe d'une Ouija quoi, quand on fait une Ouija. Le principe d'une Ouija normalement c'est d'avoir un calepin et... Ah, ah. J'ai eu une pointe. Là, 2-2-2-2-2-2-0. T'es où? Oh. De toute façon c'est dans une des chambres des filles apparemment. J'ai eu un petit pic là, mais ça vraiment est un tout petit pic. Un pic quoi? Un pic au... Ah, oh, ah. De l'eau. C'est ici, je crois. Ouais. Ah bah je crois que c'est là. Non? Ah, je suis à 2, 3... J'ai eu un 7 à quelques pas. Eh ben c'est bathroom. Et t'as écrit bathroom, non? Ah c'est là. Ah oh. Il vient de bouger le ballon. Ah oh, c'est flippant. Ah je suis à 3, 3. Ah je suis à 7 moi. 3. C'est ici je pense, c'est dans cette chambre.
ça m'énerve le multi-pool. Putain. Comme il a flippé. Oui, je confirme, il est dans cette pièce. Il est à combien ton EMF? 3. Comme il m'a fait peur. T'as jamais autant flippé son jeu, je kiffe. Oh mon dieu. Bon, je vais aller chercher... Me laisse pas seule. Me laisse plus toute seule. Ah, j'aime pas ça quand il te souffle dans l'oreille, là, je m'y attendais pas en plus. Je vais prendre Je sais même plus ce qu'il faut faire, je sais même plus comment il s'appelle. Il m'a perturbé. Ah, on a fait un truc. Assister à un événement paranormal. Ah, oh, bah ça. Ça doit être le ballon, ça. Ouais. Ou quand il m'a craché son haleine dans. Ah, on a une empreinte digitale. Richard Miller, ok. J'ai acheté mon détecteur de mouvement, je te garantis qu'il va servir. Hein. Alors là, il n'y a pas moyen, je vais l'utiliser. Hein. Tu peux écrire empreinte digitale déjà. Bon, au cas où que ce serait quelque chose là, qui craint les crucifixes, je vais en prendre un. On va encore tomber sur une bonne chambre, on va rien comprendre. Salut. Hello. Bon, alors nous sommes d'accord que tu es là, donc je vais mettre le détecteur qui part par ici. Là. Il s'est encore fait. C'est notification Google. Mais s'il vous plaît, c'est pas le moment de commenter mes vidéos au moment où j'enregistre parce que ça m'envoie des notifications sur le PC qui me font flipper. Merci Stéphanie. J'ai rien eu le temps de faire, il est apparu devant moi. Il m'a fait peur. Eh, on a dit gentil, c'est ça, amateur là. J'ai même pas avoir le temps de mettre quelque chose. Je suis tombé comme une étoile de mer. Faut que je te prenne en photo en plus. Il m'a fait peur, bon sang. Ah puis j'essayais pas de l'esquiver, il était exactement là où j'étais. C'est quoi cette histoire? Attends, je vais prendre des pilules. Hein. Bon bah voilà, je viens de claquer 100$ pour rien. Et je suis mort, comme une merde. Et je suis mort, lamentablement. Avec mon détecteur de mouvement. Tu vois, il m'a porté malheur, j'aurais pas dû l'acheter. Les amis, n'achetez jamais de détecteur de mouvement. T'es mort comme une merde. Regarde. Alors tu feras attention parce qu'il se tient exactement là où tu es quand il apparaît. Voilà, il est là. Hop. Laisse-moi juste le prendre en photo. Hop. Ah, température bien ciel. Super, bon bah je vais remettre ça. Alors, température glaciale. Empreinte digitale. Empreinte digitale. Oh, température c'est une banshee glaciale. Quoi. Oh punaise, on suspecte ou banshee, mais c'est une blague. On va se taper que ça. Bon bah du coup, je vais essayer de voir où est-ce qu'il est. Comment tu veux que j'arrive à avoir une orbe? T'es en plein milieu. Comment ça se fait? Regarde-moi, c'est par terre. Bah non, t'as fait mort sur le côté. Je m'en encastrais dans le mur. Bah ouais, forcément. A few moments later. Bon, on part sur un spectre. T'as essayé de mettre du sel? Non. Genre, je mets du sel. Parce que les spectres, ils sont allergiques au sel, là. Donc, si on avait une petite empreinte, peut-être que ça pourrait définir quelque chose. Pourquoi, quand j'arrive avec du sel, ça y est, tout de suite, il fait clignoter les trucs. Voilà, casse-toi vite. Mais casse-toi, il est là, il est vers le lit. C'est bon, j'ai entendu. Ouais,
il est juste vers l'échelle là. Voilà, ici là. Il est apparu là. Non. Oui, donc ce qui veut dire que l'EMF, je l'avais mis quand même vachement près de lui. Et c'était que niveau 3. C'était pas niveau 5. Et là, tu viens de mettre le sel et il est apparu. Donc. On peut penser qu'effectivement, pour le coup, ça serait le spectre là. Ah, il a marché dans le sel. Pourtant, il a un petit tâche. Je les vois pas, les traces. Ah bon? Ouais. Pourtant, il vient de faire bouger le ballon. Le ballon, il vient de bouger tout seul. Mais il veut toujours pas faire sur la sur la bougie. Ah, ça y est, il a soufflé. Ouais, oui. Mais regarde, ça l'a pas marqué. Ce jeu se fout de ma gueule. C'est bizarre, oui, parce que là, en direct, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu, il a éteint la bougie. On l'a vu en direct, là. Bon, bah tant pis. Bah ouais. Spectre. Ouais, je pense aussi. Tu l'as noté dans le carnet? Non. Bah, je pense aussi, ouais, qu'on peut mettre spectre. Ouais. Attends, me laisse pas maudire dans cette maison. Oh, tu pars sans moi. Mais je peux. Ah. J'allais dire, c'est nouveau, on peut plus rentrer dans le camion. Là. Ça y est. Je vais être maudite. Tu vas me hanter toute ma vie. Oui, mais t'as de la sauce dans le camion. Ouais, c'est vrai. Tiens, tu vois, c'est un spectre. Spectre. Très bien. Ah, j'ai eu 220 quand même dollars. Pensons que je suis mort. Quand même. Bah oui, quand tu même. Penses, je t'ai pris en photo, donc t'as eu la chance. Et je suis passé niveau 29. J'ai pris des petits niveaux. Très bien. Voilà donc mes chers amis, c'était un petit Phasmophobia en duo. J'espère que vous avez bien rigolé. Je pense que oui, parce qu'elle a vu mon cri. Je vais me regarder celui-là, ça. Il est c'est collector. Non mais la prochaine fois on prend une voiture avec Cédric et Lise. Ça sera encore plus marrant. On se mettra tous ensemble là. C'est à deux, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est pas aussi drôle qu'à quatre en fait. On sera en petit open space. Space. Allez, sur ça les amis, on vous fait tout plein de gros bisous. Et puis, nous, on se retrouve très vite dans de prochaines aventures. Gros bisous à tous. Salut.